Je faisais une mise en scène au théâtre de poche d'une pièce que j'avais faite qui s'appelait Vinci avait raison. Et j'ai rencontré Henri Heneux dans un bar. Et je connaissais, on avait des amis en commun. Quoi. On ne se connaissait pas, mais on s'était déjà vu. Et donc il m'a dit, à cause de La Planète Sauvage, entre autres, est-ce que ça m'intéressait de faire une série pour la télé pour les enfants, parce qu'il y avait moyen de monter ça. Il n'avait pas encore vu Jacqueline Joubert, mais il y avait une coproduction possible avec la Hollande, avec un type qui s'appelle Luc de Levita, qui travaillait à l'époque avec un ami qui s'appelait Chanowski, à lui. Et je connaissais Luc de Levita, et donc ça semblait possible de faire un projet, quoi. Donc ça m'intéressait parce que je trouvais que c'était tellement nul tout ce qu'on voyait pour les enfants, que quand c'est nul, on peut se dire qu'au pire, ça sera pareil, et au mieux, ça sera mieux. Et donc on a travaillé pendant plusieurs années, on a fait un pilote, on n'était pas content du pilote, on a refait trois autres pilotes, ça a dû mettre quelque chose comme 6 ans, arriver à décrocher, à faire d'abord des pilotes qui nous plaisent, et puis ensuite à les montrer, à obtenir qu'une chaîne s'y intéresse, et ça a été Jacqueline Joubert à Antenne 2 qui a commandé une série de 6h30, c'est-à-dire de 78 numéros. La première idée, c'était de faire quelque chose avec des objets, parce qu'il y avait toujours des animaux, et on s'est dit que ça serait bien de faire des choses avec des objets. Alors on avait pensé d'abord faire les objets perdus, ou bien les objets trouvés plutôt. Et simplement, quand on s'est mis à écrire le scénario, on s'est aperçu que les objets, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, et c'est très difficile de faire une histoire avec des objets. Donc on s'est dit, c'est un gosse d'ailleurs qui était en panne, on ne savait pas quoi, qui a dit, mais vous devriez mettre un chat. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais avec des objets, il faut un chat. Alors, j'ai dit, c'est pas con, on va mettre un chat, et puis on va mettre pour présenter le... On avait l'idée de faire assez vite, d'utiliser le langage télé même, parce que les enfants ne connaissent pas les spectacles, mais ils connaissent déjà la télé puisqu'ils la regardent. Et puisque ça devait être sur le média télé, alors pourquoi pas parler de ce langage, des tics de langage de la télé, de leur façon de boucler le reportage. Et on s'est dit, on va faire une chaîne, carrément, qui est l'histoire des objets. Alors pour les objets, on avait aussi un problème, c'est que est-ce qu'on va faire une marionnette, ça coûtait trop cher, se faire une marionnette par objet, ou alors ça allait être un peu tartillon, comment on fait parler une chaise? Alors si on met une bouche comme ça qu'on anime avec les... c'est pas terrible, donc on a pensé que c'était peut-être intéressant de prendre un personnage le plus petit de la structure de la matière et de le faire parler. Les plus petits sont les plus bavards, c'est lui qui répondrait aux questions, et ça permettait avec un personnage très très simple de faire des modifications, des variations, et d'en avoir chaque fois d'autres, le gluon de la table, le gluon de la chaise, le gluon du trou, etc. En cherchant, en sortant, en étant au café, en regardant les objets autour et en disant qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Il y a des analogies qui viennent toutes seules. Si on ouvre un verre de bière et qu'on a l'impression qu'il salue, par exemple quand on soulève le couvercle, alors on disait tiens, on pourrait faire un truc sur le salut, ou on gardait la pipe dans le cendrier, on disait ça peut être une montre avec disons, pour imaginer un cendrier montre. Donc c'était vraiment en cherchant et en regardant autour, et parfois on testait, par exemple les tubes, le lancer de tube, on avait fait, où on appuie sur les tubes pour voir lesquels vont le plus loin. Bon, on l'a essayé, ça a même été beaucoup plus loin que j'imaginais, c'était jusqu'à la bibliothèque à l'époque. Donc oui, c'est en essayant, c'est marrant, en fait, on s'est beaucoup amusé. On a essayé de faire le bâton tel que emblématique, l'optimiste incurable, le journaliste qui rien n'arrête. Et non, c'était plutôt une
un mélange de gens et de... Il n'était pas une copie d'un personnage, et quant à Lola non plus, on a pris deux personnages qu'on a essayé de retrouver un caractère. J'ai essuyé une fois les critiques acerbes d'une femme qui disait que qu'on était misogyne parce que elle était idiote et que c'était Groucha qui faisait tout, ce qui est faux parce que c'est elle qui a découvert le gluon d'abord. Et ensuite, moi, je lui ai dit, quand même, je suis encore fait la différence entre une femme et une autruche. Parce que c'est quand même, elle court, on a gardé un peu les caractères comme ça pour s'amuser. Mais ça fait un couple, quoi. On a fait exprès de prendre une autruche, enfin plutôt, même si c'est pas très visible, c'est une autruche. Mais disons, pour inverser la taille, parce que d'habitude, l'oiseau est toujours petit et le chat est grand. Donc, on trouvait marrant d'avoir une grande... femme oiseau et un petit, plus petit qu'elle, en tout cas, homme-chat. Et bon, ça permettait des trucs. Alors on a mis l'idée des seins, parce que sinon c'est chiant, de les seins avec les seins, tout est mieux. Et d'ailleurs, Disney Channel nous en a acheté 18, ou je sais pas quoi. Non, il a acheté une série, et il nous en a rendu 18, parce que les seins, elle était trop décolletée. Ils sont cons. On voyait la naissance des seins, qui sont en peluche quand même, pas en peluche, mais enfin sculptés en bois. Et... Donc quand même, on avait envie de. C'était plus. Si on met d'autres personnages, ça renouvelle, c'est plus marrant, ça fait des. Ça donne des relations différentes entre les uns et les autres. Bon, alors, il y en a qui ont été un peu ratés. Comme par exemple, Bon Moment, il était raté, je l'aime pas beaucoup. On n'a jamais réussi à trouver ni la voix, ni le... ça fonctionnait pas. Elle n'a pas compris, la fille qui devait faire la voix. Mais il y a des personnages qui étaient plus marrants, je trouve, comme Bébert, le camion, ou... puis les personnages avec une animation plus rudimentaire. Il y en a un qui a pris plus d'importance aussi, c'était le pub qui était au début, c'était un... une peau avec un type dessous, ensuite on a fait carrément la marionnette, et comme la voix collait bien, on aimait bien le côté pub, alors, donc il a pris de l'importance. On a fait servir tous les personnages. Il y a un moment, il y a Groucha qui a un double, et le double c'est celui du pilote, dont on n'était pas content, qui ressemblait déjà à un vieux chat tout cassé. Donc on a fait la rencontre entre la maquette et le personnage, et puis Lola, on s'en est servi pour faire sa mère, et puis sa tante. Donc ça donnait, c'est amusant d'avoir toutes les astuces qu'on peut trouver. La chose que j'aime, moi, le plus dans Téléchat, c'était la partie, la petite chute au Milk Bar, hors antenne, quand les deux se retrouvent. Et puis il y a le méchant, le lapin, le TGV, qui est, enfin le méchant énarque, avec son jeu avec Lola et tout ça. On a mis beaucoup de notre vie privée dans cette histoire. On a raconté toutes nos histoires personnelles. On s'est vengé. C'est un grand mot, mais disons qu'on s'en moquait un peu, oui. On se moquait... de la façon dont les gens dramatisent ou ne dramatisent pas, dont ils finissent toujours là. Alors, fait de société ou machin, à vous de juger. Le beau métier de journaliste qui est dans les années 80 devenu spécialement con. Et tout ça, donc ça nous amusait de faire quelque chose autour de la télé, quoi. Et en tout cas, de donner un petit sens critique aux gosses, parce qu'un jour, s'ils entendent la télé parler comme Téléchat, on se dit qu'ils vont se marrer. Raison pour laquelle Téléchat est un peu un cas particulier, c'est que le produit final nous appartenait, on le contrôlait avec. Puisque Henri Honneux était co-scénariste avec moi. Moi, je faisais les personnages, je dessinais les personnages dont on tirait les marionnettes. Lui réalisait.
et c'était sa maison de production qui tournait. Donc il y avait l'idée de faire quelque chose avec une volonté de faire quelque chose de pas mal, pas uniquement un produit à vendre. Parce que, donc les rythmes de production n'étaient pas celui de souvent, les gens se voient même pas. Le type écrit ses scénarios, il les envoie à une production qui essaie d'en tourner 4 ou 5 par jour. Et c'est une affaire qui se fait comme ça, je veux dire, c'est la fabrication industrielle. Tandis que là, c'était tout à fait dans une autre optique. Et puis, comme c'était nous qui contrôlions tout ça d'un bout à l'autre, on pouvait décider de mettre un peu plus de temps un jour, quitte un jour à rattraper. C'était donc artisanal. C'est pour ça qu'on disait que c'était là. Une télé à la main et au beurre. Si, on s'est vu, mais disons que je n'ai eu plus avec Henri et Eric Van Buren, qui était le directeur de production, le producteur délégué, puisque c'était lui qui organisait les tournages. J'ai rencontré les gens, les animateurs, j'ai rencontré les gens, les décorateurs, Gilles Brenta, et la costumière, et tout ça. Cela dit, j'étais pas là sur les tournages, donc c'est surtout au moment du tournage que ça se fait. Mais je pensais que c'était de toute façon mieux de pas avoir une direction bicéphale, mais d'avoir que Henri puisse faire vraiment la mise en scène, elle qui voyait le truc, c'était lui le metteur en scène finalement, c'est pas moi. Mais c'est un très bon souvenir à cause d'Henri, parce que on s'est très bien entendu, on a travaillé beaucoup ensemble, on a fait pratiquement 19h30 de Téléchat, on a écrit un bouquin ensemble, À Rebrousse Poil, qui était les histoires de Groucha autour du monde, qui était le tour du monde que Henri a fait quand il a fini la première série, il en a eu marre, il a voulu prouver que le monde est plus grand que Téléchat. Et on a fait une pièce j'ai monté une pièce à Munich et lui, il est venu me servir d'assistant et en même temps on écrivait les Téléchats. Et donc ça, c'est une collaboration assez unique. Et puis on a fait après, on aurait pu faire une autre série, mais on s'est dit, plutôt que de refaire une série, on va se dégoûter de Téléchats, c'est mieux de faire un film différent, on a compris. Et puis donc il est mort l'année dernière et c'est ça a fini l'histoire, quoi. C'est une autre histoire maintenant, mais j'ai beaucoup, oui, j'ai un très grand souvenir, ça. Très bien. J'ai fait mal de collaborations avec les gens, mais en fait, je ne me suis jamais aussi bien entendu avec elles.